hier. Vous croyez que la poésie est là, ou vous croyez que la poésie se contient dans la paume d'une main? Si c'est dans un cœur, ce n'est pas dans un torse, ce n'est pas dans une bite. La poésie est un monde, la poésie est rebelle, la poésie se pose des questions quant à la prochaine révolution. Ce dont tout le monde veut, c'est l'attirance vers le bas dans ta mère. Je m'en servirai. Mais quand t'es au plus haut de ta merde, tu bats l'attention aux déjections. La déjection de la poésie. Si j'avais une confiance, tu sais, j'ouvrirais ma bouche. Je te vois, toi. Pour la garder. L'amour est infini. L'amour ne meurt jamais, mais il faut le trouver. Et quand tu as infiniment cherché l'amour, t'en veux plus! Car ta quête de chercher l'amour, c'est de le chercher. Vivre avec un amour est insupportable! Tu n'aimes pas parce que tu passes tes journées à Ikea. Oh! L'amour est médiant, l'amour est médiat, l'amour est inventé pour te soumettre et chaque matin dans les mêmes chiottes. Mais qu'a-t-on inventé? Les chiottes séparées? Tous les matins, je prie Saint-Jacob de la Font de me la foutre bien profond. Mais je ne crois pas que Dieu, que ce soit ni de l'un ni de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. L'homme s'est-il passé par l'anus? Il avait de tout à qui se confier. Bon, on est tous passés par nous, soit Dieu, soit l'homme. Mais l'homme n'est pas ce vite. Il est thermonucléaire. Quant à l'homme, avec un grand H, il fallait y réfléchir à deux fois. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, rigolez pas, c'est pas drôle. Premièrement, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il sperme. Donc il se sperme et tout. Deuxièmement, il engendre. Bah voilà, tertio, il est revenu. Il ne bande pas encore. Mais c'est lui qui décide de ce qu'il doit manger, de ce qu'il doit boire, de ce qu'il doit dormir. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il seul? L'homme sperme, l'homme engendre, et il se noie dans ses propres excréments. Si j'avais de bonne chance. Et les vers de terre attendent dans la cavité de la cave pour le bouffer et tout recommencer. Et l'homme, c'est ça. Il bouffe, il rejette, bis, il bouffe, il rejette. Il bouffe, il rejette, il rejette avec vous. Il pourrait rejeter avant, mais non. Non, attends, bouge pas. Il se gargarise. Il va sur Mars parce qu'il est incapable de gérer sa propre merde. Alors, il se tue. Il a besoin d'espace. Et à l'aise, dans son malaise, alors il se lit. Il s'écrit, mais il est très loin de la poésie. Tant que le monde, c'est le militaire, il que la vie chante au tardin, génial. Soumettre au plus profond, la rejeter, la répéter, la reprendre au creux de la paume, la paumer, c'est la retrouver, la serrer dans les poings jusqu'au sang. Attendre, l'attendre,
la déformer, la reformer. Si j'avais une conscience, je m'en servirais pour bander, pour m'imprégner de sa force, de sa forme, jusqu'au fond du corps. Et la transformer, si j'avais une conscience, la transformer jusque dans ma gorge, qu'elle ressorte par ma langue, que ma langue sorte de ma pensée, qu'elle expulse, mais qu'elle parle enfin, la pensée du fond qui brise le corps, et qu'elle pénètre sa langue vibrante dans l'espace, qu'elle boive, mais qu'elle boive, et qu'elle régurgite les jours, les nuits, que la pensée bande en sorte qu'elle porte tout ce que j'ai à dire dans le corps, que jamais ne serve à enterrer ou rejeter ce que la pensée pousse, chevauche, harnache, le sang de la pensée au bout de la langue. Si j'avais une conscience, je m'en servirais. Thank you.